Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Recoucou, j'espère que vous allez bien. On poursuit. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Arrête ces types. Ça marche. Bon, d'accord, bon, j'allais déjà commencer à hurler avant que ça tombe. En nom de la loi, je vous arrête, monsieur. C'est le mec qui tire à tout bas, d'où ils sortent? J'en sais rien. Hé, branche ton arme, toi. Hein. Ça doit être les mêmes tarés qui attaquent les gangs de la ville. Range ton arme. Hein. Allez, Nick, passe-lui les menottes. On va le menotter rapidement avant que son collègue se réveille. Eh ben, on sait jamais, hein. Bon, bah, toi, t'es abattu. Je te couvre, Nick. Eh ben, dis donc, ils rigolent pas, les mecs, hein. Ils sont déjà. Bien réveillé. Bon, j'ai quoi comme arme? Oh, j'ai un taser. X26. Oh, comment je vais les paralyser? Je crois que je le connais, ce type. Ah bon? Scanne-le et regarde s'il est recherché. Bon, on va le scanner rapidement. T'avais raison. Cette vermine de tape nous a conduit droit sur lui. Mince. Ouais, on les a tous eus. Ok. Je savais qu'il avait un casier. Passe-lui les menottes. On va prendre tout le hotshot qu'on trouve. Police, halt. Ok. Menotons-le, comme ça on aura une récompense. PC, envoyez le fourgon. Par contre, c'est un jeu de furtivité. Je préfère. C'est plus comme avant en fait, où on avait la possibilité de bourriner. On peut encore, hein. Mais c'est beaucoup plus conseillé de pouvoir faire la personne qui, qui neutralise les voyous et qui les emmène au poste de police. Comme ça, vous allez obtenir des meilleures récompenses que tout simplement essayer d'abattre un petit peu tout le monde, et du coup, vous n'allez pas gagner plus que ça, en fait, de choses. Bouge pas de là. Voyez, je suis en train de tous les menotter, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est cool. Bon, par contre, les deux, ça va être un peu plus délicat de les menotter après. Hein. Donc à moi de me faufiler un peu. Je vais les scanner, je sais pas si c'est possible. Donc ils ont deux armes. Je vais voir rapidement si je peux pas le scanner. Négatif. Son visage, je le vois pas. C'est pas évident. Non plus. C'est pas grave. Allons-y. Quittons ça. Et je vais essayer de leur faire un petit coucou. Donc j'espère qu'ils vont pas. T'as pas l'air bien. Putain, ouais. T'abuses même pas à essayer. Ah bon? Ah bon? C'est bien, par contre, on peut tout simplement les menacer avec mon arme sans faire un seul coup de feu. Bon, ça reste un peu de la furtivité après. Attention. Je regarde rapidement. Je préfère faire quelqu'un être un peu plus prudent. C'est bien ça, l'effet de surprise comme ça. Ça me ressemble pas d'habitude. Hein. Je suis quelqu'un qui essaie de tuer sur tout le monde, mais bon, ça rapporte plus de récompenses. On sait jamais. On est bon. On monte à l'étage. Tyson devrait être par ici. Si j'arrive à faire quelque chose de parfait, ça va être marrant. Bon, j'ai deux individus encore à neutraliser. J'ai les mains levées là, c'est trop marrant. C'est bon, t'es bouclé. Suivant, allez, on avance. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a qui nous regardent en face. Ça y est, les coups de feu vont commencer. Bon, c'est pas grave, hein. Il m'en reste deux. J'aurais pu faire quelque chose de parfait. C'est bon, neutralisé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Scanner, d'accord. C'est parti. Marquage. Parfait. On a trouvé quelque chose, donc à faire. D'accord. Donc c'est après, c'est des enquêtes, etc. D'accord. Bon, ça c'est bon. Ouvrir les indices. Ça nous rapporte quoi? Boîte de hotspot. D'accord. Des informations sur les indices récupérés permet d'écouter. D'accord, les commentaires de Nick de façon, c'est parfait. D'accord. Quitter. On va plutôt continuer. C'est bien. Retour. Continuer.
Vas-y, retour. Premier indice. Deuxième. On va scanner l'imprimante. Joli. Souviens-toi, si ça se met à biper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. D'accord, il n'y a aucun problème. Bon, la dernière trouvaille, on va la trouver où? Bon, bah là, je vais quitter cette chose. Équipement. Tu m'as trop poussé, là. Hein. Vous voyez, plus je commence à être furtive ou je ne sais pas trop quoi, on obtiendra des meilleures récompenses. Par exemple, des lampes, des silencieux, etc., etc. Donc, je pense que ça va devenir vraiment très intéressant. En tout cas, mieux vaut devenir quelqu'un de qui est un petit peu obéissant qu'un vrai bourrin. Là, vous voyez bien, c'est qu'il y a marqué si je respecte les choses. Ça ressemble un peu à un Splinter Cell, j'ai l'impression, qu'un Battlefield en ce moment. Donc là, j'ai quoi? J'ai pas une arme spéciale. Je peux avoir un fusil à pompe si j'ai envie. Pourquoi pas. Là, on peut tout simplement avoir des gadgets. Pour l'instant, je n'ai aucun. Gilet pare-balles, trousse de secours, munitions, du C4, ça, j'aime beaucoup. Ça, je vais bien m'amuser en multijoueur. On a la matraque. Je préfère encore prendre la télescope. Avec ça, on ira plus loin. Alors, question d'armes, on a quoi? Alors, on a cette arme-là. Celle-là, elle est beaucoup plus performante. On va la conserver. Question d'accessoires, on va prendre... Il n'y a pas de viseur laser, il n'y a pas de silencieux. Camouflage par défaut, donc après, peu importe hein, ce que vous avez envie de mettre. Alors, le fusil à pompe, je vais voir si j'ai pas autre chose à part le fusil à pompe. Des fois, parce qu'on peut débloquer certaines choses. Hein. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. Après, j'ai le taser, là. Ils appellent ça pas le X26, mais c'est la même ressemblance. Hein. Mais on va rien dire, parce que en fait, ils peuvent pas non plus utiliser les produits qui existent, sinon ils vont se faire attaquer par les marques en question, qui vont leur demander un droit d'auteur, ou je sais pas trop quoi, pour pouvoir utiliser leurs produits, quoi. Dans leur... Dans leur jeu, en fait, c'est pour ça qu'il y a des sous-marques qui sont utilisées comme sur GTA V, par exemple. Vous avez vu, les voitures ne sont pas du tout les mêmes. Les Audi sont appelés différemment, etc. C'est pareil un peu partout. Hein. Ce qui est logique. Hein. Bon, un indice prometteur, peut-être. Justement, oui. Cool. Oh, j'adore. Attends, il y a une nouvelle truc qui vient de tomber, peut-être. Des nouveaux équipements, par curiosité. Bah justement, ah, vous voyez, on a débloqué des nouveaux équipements. Oh, comment ça fait du mal, ça. Donc, ouais, revolver à la portée, les meilleurs. Ouais, d'accord. Bah oui, parce que vous allez dire, mais finalement, ce que tu viens de faire il y a deux secondes, tu le refais à nouveau. Parce qu'en fait, je viens de débloquer des meilleures choses. Aucun gadget, pour l'instant, non. Matraque, voilà. Donc, tout ce qu'on a débloqué, pour l'instant, c'est juste au niveau des armes. Parce que c'est les armes de poing. C'est déjà pas mal, hein. On a un nouveau pack d'argent. Ah, c'est bien, ça compte en plus. Ouh, pas mal. On utilise l'ordinateur portable. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter. On va localiser les signaux par Skype. Oh, merde. C'est vous qui les avez conduits ici? Pas vrai? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Eh, hey, merde. Ça s'arrange pas. Hé, hey, ton pote tape s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde! Écoute. C'était pas mes hommes, ok? Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois? Dis-nous où tu te trouves, on peut te protéger. Désolé, mais j'y crois pas. Et merde. Et maintenant? Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC, ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Aucun problème. C'est Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. C'est parti, on va rejoindre la voiture comme c'est indiqué. Donc les armes de poing. Petit à petit, ça se débloque dans ce genre de mallette. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autres... Oh, putain! Police! Je me suis trompé de plaque. Je les ai scannés. Bon, à mon avis, on aura des hostilités maintenant. Attention, le feu sera engagé dans quelques instants. Ouais, yo, mon pote. Il n'y a rien à ramasser? Non, il n'y a pas d'argent à se faire...
On va dire indirectement. Je fais attention, je reste quand même très prudent. Ma merde, ah derrière, position connue, d'accord. Bon, tant pis, hein. Moi qui voulais les neutraliser poliment, mais finalement... Police, bouge plus, toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, par là. Ah, tu veux jouer au fusil à pompe? Attention, je vais sortir le mien. Si tu continues, je sors le mien. Attends, y'en a un qui est quelque part, là. Y'a quoi, là? En fait, y'a une autre mallette, là? Ah non, c'est là-haut, pardon. Oh, je regarde, je passe par derrière. D'accord, il est juste là. Ouais, bah viens, viens, je t'attends. Je prends une bonne arme rien que pour toi. La portée, elle est un peu... C'est une petite portée quand même, hein. C'est... Quelle voiture on récupère? C'est la fourgonnette, non? Négatif. Je crois bien que c'est... Ah non, c'est encore derrière. Ah, c'est la voiture noire. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal. C'est qui conduit? C'est moi. Voilà, je m'en doutais. Inspecteur Dao, on vous a trouvé l'endroit. Merci, PC, envoyez l'info. Ton pote Tyson n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on chope et on se barre. Bien reçu. On s'occupera de lui dans pas longtemps. On frappe à la porte poliment d'abord. Enfonce la porte, Mendoza. Voilà, on n'a pas eu de réponse, maintenant on la casse. Tu sais que t'es censé avoir un mandat? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, hey, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel? Vous savez ce que je fais toute la journée? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. Bon, on parlera de tout ça plus tard. Oh, merde. J'ai touché. C'est grave ou pas? Putain. Oh, putain. Ok. Je maintiens la pression dessus, d'accord? D'accord, Z, c'est quoi la touche Z? Bon, on va appuyer sur Z sur le clavier, ça va plus vite. Ah d'accord. Ça va devenir un peu plus délicat de tirer sur ce genre de personne, sachant que je suis juste avec la touche Z et le joystick un peu différent. C'est bon, je peux lâcher là? Oh merci, c'est bon. Tu peux décéder si tu veux. Ah, faut quand même appuyer. Non. Attendez, j'attends qu'elle se vide un peu de son sang. Bon, enfin. Elles sont performantes les armes quand même, hein. Il tire d'où lui? Je vois pas. Ok, d'accord, ils sont en train de me faire plus en plus de mal. Ouh. Je vais essayer de faire des têtes. Voilà. Bon, il faut que j'appuie encore sur Z. Oh, dommage. Vas-y, Bodhi, tire dans le barrier. Utilise bien ton truc. Parfait. On est flic, on est flic. Elle est blessée. Je crois que ça a touché une artère. Vous avez de la chance de ne pas vous être vidé de votre sang. Main en l'air, tout de suite. Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, vous connaissez cet homme? Qui? Lui? Ouais, c'est un comptable d'ici.
Voilà, objectif terminé. Ah, ça fait ça en fait, d'accord. Donc là, ça nous montre un petit peu l'expérience qu'on a pu obtenir. Pas mal, pas mal. Les dossiers en question, on a obtenu un pack bronze. D'accord. Eh, c'est bien fait, sincèrement, quand même, maintenant. Là. On dirait un petit film, un truc comme ça. Non, du coup, c'est intéressant après de se lancer dessus. C'est pas mal. Commençons. Formalité de départ. D'accord, on a ça. La chaîne logistique. Équipement tactique, je pense que je peux m'équiper ou pas, à votre avis? Non, ça reste le même. D'accord, sortir. On continue. Chier. Ouais, compris, compris. Encore deux corps repêchés dans la baie de Manatee. Il devrait les utiliser comme bouée. Mendoza, j'aimerais vous voir une minute. Oh, chaud devant messieurs dames. Jeune inspecteur pressé. Guy. L'inspecteur Daou reprend du service aujourd'hui, contre l'avis de son médecin, mais avec mon accord. Ça va? J'ai arrêté le baseball, mais ça va bien. Mendoza, la coupe que Stoddard et vous avez saisie vient de Colombie, en passant par la mer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Tout passe par le Mexique désormais. Et Tyson Latchford, qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur Latchford, contre toute attente, a un excellent représentant juridique. Tenez. Voici les Ray, surnommé Stingray. Grossiste du cartel. Hier, il a appelé mon bureau. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Alors, il faut faire venir Léo? Mais en toute discrétion. Le seul à être au courant de tout ça, c'est moi. On ne sera pas plus en sécurité ici qu'on ne le serait dans la rue. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bien, alors à vous de jouer. Tu crois que Dawes a raison, cette histoire de Ricky? Je crois que si Dawes est inquiet, on devrait l'être aussi. Ah. Hey, ça va? Ouais, si on veut. Des flics véreux. Tu piges pas? Sérieux? Bon, d'accord, on se crève au boulot et on est payé de la merde. Ouais, mais à part ça, c'est la vie de machin. Voilà notre homme. Ok, tu restes près de la caisse et tu me couvres. Aucun problème, je t'en prie. Reste près de la voiture. Des gorilles, Léo? C'est pas malin, ça. C'est qui, lui? Je l'ai trouvé qui allait au zoo. Il aime les espèces en voie de disparition. Non, mais c'est quoi, cette gonzesse? J'avais demandé Dawes. Et Dawes nous envoie. Le prochain coup de fil, ça a intérêt à être Dawes, pour me dire où et quand on va pouvoir discuter comme on était censé le faire. Je viens pas servir de larbin à des cons de flics pourris. Il me faut une vraie protection. J'ai raté le match. On y va. T'as qu'à me laisser ça. Doucement, ma petite dame. Hey, il paraît que t'as serré Tyson Latchford. Il y avait du passif entre vous deux. Quel genre de personne ferait ça? Garde tes discours pour Dawes. Stinger, qu'est-ce qu'on fait? Va dire à ton boss que je lui servais tout sur un bateau et que t'as tout foutu en l'air. File-moi le sac, Léo. Où je descends ce type. Léo, mon Dieu. Ah ouais, d'accord, ça commence bien. Bon bah, au revoir. Il est avec moi ou pas, lui? Ouais, il est avec moi. C'est qui ces mecs, bordel? Des gens qui savent que Léo a parlé. D'accord, donc là, ici, c'est le coffre. Bien reçu. Allez, on sprint. Sprint, c'est vite dit, hein. Il court un petit peu, mais pas non plus beaucoup. Il est très lourd. T'as aucune chance de t'en tirer.
Je préfère les menotter. Bouge pas, je te menote. Ça rapporte plus de points, sincèrement. Tu vas te calmer un peu, toi. Oh, comment tu tombes rapidement, par contre. Bah, l'agent est décédé, plutôt. Delta, Charlie, Delta. Poursuivons, sortir d'ici. Faut que je fasse ça. Voilà. D'accord, donc on décède très rapidement. Je me rends compte que quelques balles, ça y est, étaient déjà par terre. Ok, pas de problème, maintenant je vais faire un peu plus attention. Bon, il y a neutralisé tout le monde. Donc les deux, là, les trois, là, je vais les neutraliser. D'accord, ceux-là, je peux les neutraliser normalement. Maintenant, c'est ici, il faut que je me méfie. Ouais, prenons un vrai fusil. Oh, purée, ça décoiffe là-dedans. J'ai pas de grenade, par contre. Non, ça, c'est pas une grenade, ça. Bon, de loin... Faut vraiment faire attention comment on voudrait tirer sur ces individus. Ah, le cran de mire, il est pas bon, il est pas aligné avec... si c'est bon. Oh, j'ai déjà plus de balles, ouah, ça va vite, hein, finalement. D'accord, ouais, ça va super vite. Si on a un qui sort, il aura plus de tête, là. Bon bah on va monter un petit peu stratégiquement. Je fais un petit balayage dans l'escalier rapidement. Donc je pense que c'est cette porte là, mais bon, méfions-nous quand même. Ok, bien reçu, on se rend sur zone. Et je vois j'ai une trousse là, je peux pas la prendre dans négatif. C'est bien fait quand même hein. Bon là, de toute façon, à mon avis, il faut que j'en neutralise un ou deux. C'est bien quand même hein, le coup de neutraliser. Hein. Bon après... Bon, il y en a qui m'a repéré, je pense. Je pense que l'autre devant, il va commencer à ouvrir le feu. Voilà, mieux vaut faire comme ça. Il va pas trop bouger. Toi, tais-toi. Commence pas. Bon, allons faire un tour là-dedans rapidement. Je pense qu'il y a des choses à récupérer ou à scanner. Équipement tactique. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc, je pense qu'on n'a rien débloqué de plus hein, depuis un an. Voilà. Peut-être que dans les équipements lourds. Alors là, peut-être que... Non, négatif, on n'a rien. De toute façon, j'ai fait un peu le plein. Ouh, il y en a un, il est en train de me décoiffer. Deux plutôt. Encore un petit effort, non? Montre-toi, montre-toi. C'est bon. Pendant que les autres sont neutralisés, celui-là, il a été tué. Ah, il est là-haut. D'accord. Bon, poursuivons un petit peu notre petite bêtise. Pas encore. Cet hôtel doit avoir une salle de surveillance. Je vais le chercher avec les caméras. Ok. Tiens-moi au jus. Il a filé tout droit. Merci. Bon, il y a ses copains qui sont là, non négatif. Kyle, il arrive de la piscine. Avis au personnel et aux clients de l'Elmore Plaza. Une alerte de sécurité est en cours. Si vous êtes dans votre chambre... Je vais me baigner un peu, j'arrive.
C'est trop bien fait. Moi, je m'éloigne un peu, si vous permettez. C'est super bien fait, la piscine. Bon, par contre, on peut pas plonger. Hein. La police est en route. Merci pour votre séjour. Je suis plus malin qu'eux. Hein. Attendez. Ah, c'est bien fait, quand même, le coup de la piscine. Hein. Alors là... Ah, une deuxième piscine. Waouh. Eh, franchement, j'aimerais bien faire un petit tour dans cet hôtel. Ne t'inquiète pas, chérie, ça va bien se passer. Bonjour. Oh, pardon. Je t'ai fait du mal. Eh ben, dis donc, ils ont fait des progrès. Hein. Franchement, ils soignent mieux en mieux les détails. Hein. Bon, il est juste là, son copain. Bon, on va le neutraliser rapidement comme ça. Ah ouais, c'est une piscine VIP. Ah ouais, attends, je vais me baigner. Ça, c'est obligé. Ah ouais, c'est plutôt bon, ça. Ouais, je préfère les neutraliser à ma façon. Allez, viens. Attention, il est en train de m'avoir, là. La portée du fusil à pompe n'est pas non plus très grande. Hein. Ah ouais, il est en train de m'envoyer l'artillerie lourde, là. Attention. C'est bon. Faut que je décolle un peu plus. Ouais, d'accord. Il est passé où, leur copain, là? Je vais poursuivre ce chemin-là. Oh, j'allais tirer sur le civil, là. D'accord, je te remercie pour l'info. Ah ouais, mais non, on passe en mode furtif. Police, on bouge plus. Stop. OK. C'est pas mal quand même la matrice télescopique. Bon, toi là, tu vas te calmer un peu. Bon, par contre, là, je vais avoir beaucoup de hostilité, hein, maintenant, avec mes bêtises, là, que ce que je viens de provoquer, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup de chargeurs en négatif, en plus, on n'est pas tant que ça. Trois individus neutralisés, ça va être fait dans pas longtemps. Ah, purée, par contre, ils décèdent pas immédiatement. Hein. Plus que deux. Oh, ils ont des automatiques. Qu'est-ce que je passe avec ça, moi, avec mon arme de poing? Là, plus que un. Donc, il y a quoi ici, en fait, là? Attendez, je vais scanner après la zone. Hey, Young, tu vas te calmer. Hein. Il y a quelque chose à faire ou pas, là-dedans, là? Par curiosité, je vais juste jeter un coup d'œil au niveau des caméras ou je sais pas trop quoi. Non, négatif, y a rien. Hein. Peut-être que c'est là-haut qu'il y a quelque chose. Bon, déjà, je vais récupérer la mallette. Ça va me donner des munitions. Parfait. Ouverture. Voilà le fameux bureau qui a quelque chose à faire peut-être. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà, on a récupéré un répondeur, je sais pas trop quoi. Là, il y a quoi d'autre, là? Bon, il n'y a plus rien. Hein. Ah, il y a encore un autre objectif, attendez. Il y a un autre indice, là, quelque part. Hop, là, il n'y a plus rien. Plus rien. Il peut y avoir des fois des trucs que je peux louper. Hein. Donc, du coup, je préfère prendre un peu mon temps. Tu vois, justement, ici, il y a un plan. Ah, je suis un peu trop près. Ça m'étonnerait que tu fasses un marquage là-dedans.
Non, il n'y a plus rien à marquer, c'est pas grave. Passons par cette porte-là, par curiosité, ça va me mener de l'autre côté, voilà, ici. Et là, il n'y a plus rien à faire. Kai ! Kai ! Où est-ce que t'es ? Je monte au bureau dont tu me parlais, Kai. Eh ben dis donc, qui aimerait bien avoir un écran comme celui-là, hein ? Il est pas mal, hein ? Bon, je viens de le casser, hein. Mais il est franchement sympa. Jamais mouchardé. T'es une vraie pipelette. Hey ! Kai ! Je veux plus entendre un mot au sujet Kai. De ton insigne ! Arrête ! Chose ! Canal ! Merde ! Kai ! Mais putain ! On a la moitié de la racaille de Miami qui nous tire dessus, et toi tu dérouilles Léo. Tu joues à quoi, là ? Ça va poser problème ? Il y a plein de trafiquants crevés dans cet hôtel, donc on a déjà un problème sur les bras. Léo a besoin de protection. Alors on peut y aller. Il n'est pas en état de marcher, tu sais. Alors aide-le, toi, putain ! Hé ! C'est toi qui l'as mis dans cet état, pas moi. Allez voir dans les bureaux à l'étage. Merde. Allez, on y va. Je vous suis. Je vais où vous voulez. C'est ça, sa fameuse protection à dose ? Léo, c'est qui, ces types ? Tu l'interrogeras plus tard, Mentosa. On se casse, allez. Hé, inspecteur. Prends-le. Donc je pense qu'on va se casser, comme on dit, dans un prochain épisode. A tout à l'heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.